Alter Radio, l'i fait minuit. Programme Alter Radio sur internet c'est sans campé 24 sur 24. C'est sans campé. Connecté sur TuneIn ak Zelle 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour nal pi loin. 24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté 24 sur Alter Radio 106.1 FM stéréo sous Zeno Radio avec sous diverses plateformes internet. Mais principale information par présent dans l'édition 24 qui a venu. Je sa fête à chaque année, mardi 17 octobre 2023, c'est un jour férié, occasion 217e l'année depuis l'assassinat sous Jean-Jacques Dessalines, Papa Nation Haïtia, d'après décision gouvernement de facto. Intelligence artificielle avec désinformation, voyez monter dans l'information, qui opportunité, qui menace sous droit information citoyenne avec citoyen. Yo nan peyi d'Haïti, se tèm yo brase lide vendredi 20 octobre 2023 ka fè goup Medi Alternatif 22 l'ani depi l'existe. Pou goumen kont ensekirite la manje la, li nesesè pou n fè promosyon an fave yon agrikilti ki chita sou fanmi yo ki respekte tout sa ki arrivo ak environman. Se dizon sou AlterPresse-AlterRadio platform agro-ekoloji ak devlopman durab padèt okasyon 16 octobre la ki se jounen mondial la manje. N ap aplodi divers konnen yo tankou ekonomi, teknoloji, la sante ak la kilti. Le déconnecté Alter Radio, c'est point sur l'acte de la sorte normale développée pour une édition 24 heures. Cap venir. 24 heures, journal Alter Radio. Les sorti à 6 heures du soir, les passé tout à 10 heures du soir, minuit, 4 heures à 5 heures du matin et puis midi. 24 heures, information nous besoin sous Alter Radio. Bienvenue dans le développement 24 ans à journal la condition temps, humidité avec l'autre bouleverse dans le temps, à bail la pli, avec l'oreille sur la plupart des départements pays d'Haïti. Gain humidité avec l'autre qualité bouleverse dans le temps, sous Gozile Caraïbio. Ensemble avec chalet journée, c'est une situation qui a bail activité la pli qui marche avec l'oreille dans l'après-midi à Kassoué, jusqu'à mercredi 18 octobre 2023, sous département nord-est, nord, plateau central, Latibonite, nord-ouest, sud-est, grand dans sa cloche, côté nous jouons une zone métropolitaine Port-au-Prince-Lan. Gain vent cap soufflé divers côtés sous département pays d'Haïti pendant journée 1, des temps gain nuages sous zone nord yo, gain soleil sous l'autre département yo nan matin, ap gain nuages et puis temps pral fermé nan après-midi à Kassoué. Niveau chalet a continué ou en pile ni dans la journée ni dans la nuit yo. Soti nan niveau 36 degrés Celsius, température pral descendre entre 26 pour 22 degrés Celsius nan Kassoué. La mer calme bon toute côte pays d'Haïti yo. Jean sa fête chaque année, mardi 17 octobre 2023, c'est un jour férié, occasion 217e l'année depuis l'assassinat sous Jean-Jacques Dessalines, Papa Nation Haïtia, d'après décision gouvernement de facto. Dans l'occasion ça, administration publique, commerce, industrie et l'école a fermé sur tout territoire national. C'est bureau communication primatien qui fait annonce ça depuis la date avant vendredi 13 octobre 2023. Les visées honorées mémoire de Salines, une figure emblématique qui était bataille pour l'indépendance pays d'Haïti. Dans le chapitre la presse, intelligence artificielle avec désinformation, voyez monter dans l'information qui opportunité qui menace sous droit information citoyenne avec citoyen yo dans le pays d'Haïti. Ce thème yon brassé l'idée vendredi 20 octobre 2023 qu'a fait groupe Média Alternatif GM 22 l'année depuis l'existé. Intelligence artificielle, c'est une branche activité qui paraît depuis 60 l'année, qui donc, dans l'année 1960, il rassemblait la science, théorie et technique, logique, mathématique et statistique et la trier. Une nansa, l'abra poursuivre, c'est fait machine imiter capacité cerveau monde sous divers bagailles. Ces journalistes multimédia Max Guibert Liron ak spécialiste dans communication et relations publiques chez La Planche qui pral débattre sous thème ça vendredi 20 octobre 2023.
Nan chapit la manjaya pou goume kont ensekurite la manjaya la, li nesesè pou nou fè promosyon an fave yon agrikilti ki chita sou fami yo ki respekte tout sa ki arrivwa ak environman. Se dizon sou AlterPresse-AlterRadio, platform agroekoloji ak devlopman durab padèt, okasyon 16 Oktob 2023 ki se Jounen Mondyal la manjaya. Manke volonté politik, ta principal barye nan pratik yon agrikilti peyizan, familial ak ekologik, dapre sekretèr ekzekutif padèt la, ingénieur agronòm epi geograf Jean-Wisnel Etienne. An koute l kapote plis detay pou nou. Se yon tip d'agrikilti ki gen asosyasyon, gen plizye kultur an dan. Espès la, tan kou lò an tenon jaden la kou peyizan, ou en piman ou, ou en etc. Men an bato, ou en ti kafe, ti kakao, apre sa tou, wè mayi, pitimi, yam, etc. Sa pral permèt, lè ka meteorolojik ekstrem sa yo pase, gen yon bagay ki rete nan jaden an, kan men. Li sa pa permèt tout bagay. An plus, mèm lè ou kapap di gen de peryòd de sechres, wap wè, par exemple, si nou fè tip d'agrikilti sa, gen rezerv glo nan sol la pou agrikilti a fè. Par kon lò te ti moun, ou kon wè lò nan jaden lò la kou la ka ou, pati gen pil biye bwa ou, kon wè pre de 1 mwen apre la pli fin tobe, lwa l'espace la ou toujwe la bou, an api ou glou ap a gaspye, kontèman lot tip d'agrikulture, li se yon monokultur, la monokultur sa vle zge sa, nan wè espace seulement wè mayi, seulement, ou bien nan wè espace seulement wè banan, etc. Kote ke, bagen mwen biye bwa sou teya, kote ke lèl fè gwo la pli kon sa, ki sa l'fè, glou ap a jen nan yè, li ba ou li tombe sou teya, ki sa l'fè l'ale, avèk ni mayi, ni kouche arab teya, or avèk tip d'agriculture ke nou mande l'Etat pou akompanye, se li tap fèt, li vale de padèd, se wòl, minister agriculture, lòt antityan de l'Etat, mètnen pou akompanye peyizan yo, mètnen se te kon yon rentman de 1 ton a l'Etat, an ekzamp, pou yon yon rentman de 2 a 3 ton a l'Etat, pou nou pa ka empêche pou siklon nan, nou pa ka empêche se fès nan, voilà, c'est adapté. Oui, justement, question adaptation, ça va parler à. Comment, justement, ça capable fait vraiment, l'en nous connaît et pour nous arriver dans grande production, et ne serait-ce que c'est, n'a toujours été dans la question agriculture qui respectait les questions environnementales, qui l'autre méthode nous capable d'utiliser ensemble avec lui-même pour permettre que les vins, bah, nous, une quantité de manger pour nous aller vers question et autosuffisance alimentaire, là. Alors, c'est toujours prétexte ça. Et partisans agriculture productiviste là, ou bien agriculture industrielle là, toujours fait comprendre. De tout faire comprendre que agriculture familiale là, agriculture paysanne là, pas qu'à nourrir le monde là, pas qu'à nourrir le pays là. C'est fou. C'est fou. Archi fou. D'ailleurs, plusieurs études faites prouvaient vraiment que agriculture paysanne là, agroécologie capable de nourrir le monde là, jusqu'à même combien de milliards, quoi, vous pouvez voir, près de 10 milliards, 2050, ça veut dire que la possibilité, c'est à 2050 pour nourrir 10 milliards de monde avec agriculture paysanne, avec agroécologie. Donc, prétexte fallacieux, ça, partisan, agriculture industrielle, l'apprend, scientifiquement, l'idée montée. Ça, avec agriculture familiale, bien dit, qui respecte la science, et l'agroécologie, c'est une discipline scientifique, bien, avec une discipline scientifique qui recherche qu'a fait là-dedans, justement, pour rendement augmenter, arriver dans le niveau de l'IA. Or, dans l'autre type d'agriculture, c'est vrai, oui, rendement augmenté, on va mettre en place de l'augmenter, c'est pas, mais tout, rendement arrive en côté stagné, ça veut dire rendement, il va ni monter, il plus, il y a tendance à descendre au lieu de monter. À côté de toute externalité négative, que vous causez à l'environnement. C'était ingénieur agronome et puis géographe Jean-Wisnel Etienne. Nan okasyon Jounen Mondyal la manjay la, 16 Oktob, Organizasyon Promosyon pou Devlopman pou Modev, souwete yo rive tabli yon politik agrikilti ki konsidere aspek ekonomik yo. Pou sa, yo dwe pran dispozisyon pou Haiti sispan depan de prodwi kap soti lot bo, li nesesè tou pou modernize sistem la ouzay yo, renforse kapasite tout si la kap fe jaden yo nan kouraje yo prodwi tout sa ki ka dire lontan dapre Organizasyon pou Modev. Toujou nan menm kozman, glo se la vi, glo ap nouri nou, pa kite person sou kote. Se tem sa, Organizasyon Nasyon Zuni pou la manjay ak agrikilti FAO te chwazi okasyon 16 Oktob la, li nesesè pou gen pi bon glo dous dapre Ministèr Ayisyen Agrikiltia ak branche FAO nan peyi d'Ayiti. Nan okasyon sa, Ministèr de facto Agrikiltia, Brady Charlot, ak ofisye nan program Nasyon Zuni pou la manjay la, FAO Patrick David, te mette aksan sou nesesite pou gen yon pi bon jesyon glo dous paske se yon resous ki ekitab.
En côté ministre de facto agriculture Brady Charlo qui a porté plus de détails pour nous. Chers compatriotes, chers partenaires du secteur agricole, c'est avec un sentiment d'optimisme et de détermination que je m'adresse à vous en ce 16 octobre qui ramène la journée mondiale de l'alimentation. En dépit des conditions socio-économiques et sécuritaires difficiles du pays, nous obligeons encore cette année à commémorer cette journée dans la plus grande sérénité. En effet, 5 années consécutives où le ministère de l'Agriculture et l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture FAO commémorent sans faste ni activité de masse à coup de communiquer la journée de l'alimentation. Notons par ailleurs qu'à travers le monde, cette journée est célébrée cette année sur le fond de crise aux aspects multiformes. Depuis plus d'un quart de siècle, la faim représente l'une des plus grandes préoccupations des gouvernements et le principal centre d'intérêt des forages internationaux. Si au cours des 20 dernières années, on constate un recul de la faim au niveau de certaines régions du pays et du globe, mais le nombre de personnes menacées par l'insécurité alimentaire et la pauvreté demeure encore élevé. En 2022, 783 millions de personnes se trouvaient en situation de crise aiguë. On estime que une personne sur cinq est tenaillée par la faim en Asie de l'Ouest, dans les régions d'Afrique et dans les Caraïbes. En Haïti, selon le dernier rapport de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, pour la période allant du mois d'août 2023 à février 2024, environ 44% de la population, soit à peu près 4,5 millions de personnes, seraient vulnérables à l'insécurité alimentaire aiguë, phase de crise et d'urgence. C'était le ministre de facto d'agriculture Brady Charlot. Le chapitre insécurité la nuit dimanche 15 pour entrer lundi 16 octobre 2023, monde la police pour identifier badi journée avec matière plusieurs l'école dans Jérémy département Grandance, ça qui fait majorité l'école yo pas de travail lundi 16 octobre 2023 d'après information qui vient journal AlterPresse à Alter Radio. L'école ça c'est lycée Nord Alexis, centre éducatif Beraka, collège Saint-Louis dans Jérémy, Danilou, lycée des jeunes filles, institution classique mix les trois mousquetaires. C'est diverses écoles ça qui les rejoignent local au bas du journée. Gen l'hôpital Saint-Antoine avec plusieurs magasins qui étaient attaqués tout. Dans notre livre, il y a marchand, commerçant et transporteur, conseil exécutif intérimaire Thomas Siklan, département plateau central, fait qu'on est la considérée tant que contrebande tout produit qui sortit République dominicaine. L'a considéré tout en une infraction qui n'en code douanier pays d'Haïtien qui punit suivant article 227 à 238 d'après la mairie Thomas Siklan dans un communiqué envoyé par marchands, transporteurs, commerçants et population en général. Ce samedi 28 octobre 2023, il a chanté dans l'église catholique romaine Saint-Pierre Pétionville enterrement ancien substitut Mibaléa, Québec Jean, bandit à examen t'est assassiné la plaine la nuit mardi 26 pour entrer mercredi 27 septembre 2023. Association magistrat yo mandé autorité dans l'état yo pour yo accélérer enquête sous assassinat ça et puis prendre diverses mesures nécessaires pour traduire responsable yo devant la justice. Ou écoutez 24 sur Alter Radio 106.1 FM stéréo sous Zeno Radio sur diverses plateformes internet yo. Actualité internationale à collaboratrice nous Marie Farah Fortuné. Président finlandais a annoncé la mort ancien président finlandais met au prix Nobel pour la paix Matti Ahtisaari lundi 16 octobre blanc 86 l'année les mêmes qui était souffri maladie Alzheimer. Président sorti 1994 rivé 2000 Ahtisaari était joué rôle médiateur dans pile gros conflit sorti Indonésie passé Kosovo rivé Namibie il était jeune en pile distinction jusqu'à prix Nobel pour la paix dans l'année 2008. Cour constitutionnel géorgien en bail autorisation lundi 16 octobre blanc pour ouvrir un procédé pour mettre à terre présidente pour occidental Salomé Zou Rabishvili après yo fini reconnaître li coupable comme quoi l'état violé constitution.
Lundi 16 octobre, Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre mette à terre ministre des Affaires étrangères lan Anniken Huitfeldt. Non cité non gros scandale qui gen rapport à campi l'action ta acheté décision ça prend en cadre un remaniement gouvernement centre gauche là d'après sa AFP fait connait. Président russe Vladimir Poutine a rencontré homologue chinois Xi Jinping mercredi 18 octobre pays Chine d'après ça Kremlin fait connait lundi 7 mois après un sommet Moscou qui était soudé pipliz zanmi tay sans limite en deux pays yo. Chef diplomatie russe Sergei Lavrov qui pour qu'on y a en visite pays Chine après le mercredi corridi non d'après sa ministère russe des affaires étrangères fait qu'on est lundi 16 octobre dans un communiqué. L'autre information président autorité palestinienne Mahmoud Abbas fait qu'on est dimanche 15 octobre là politique ak action Hamas n'a pas représenté peuple palestinien d'après agence presse officielle palestinienne Wafa Mahmoud Abbas fait qu'on est dans entretien avec président vénézuélien Nicolas Maduro politique ak action Hamas n'a pas représenté peuple palestinien mais tout organisation libération palestine OLP c'est celle représentant légitime peuple palestinien. Dans un communiqué syndicat palestinien journaliste qui trouvait le Cisjordanie, fait qu'on ait 20 journalistes qui blessés dans l'agression israélienne dans Gaza. Et puis l'armée israélienne fait qu'on ait lundi 16 octobre, mouvement islamiste palestinien Hamas, gagné 199 personnes pendant l'attaque 7 octobre, d'après un bilan actualisé. Un bilan avant ça, dimanche, tu parlais concernant 155 otages. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Souti inédit, rivi 3 heures, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Sous Alter Radio. Relez-nous dans 28 15 73 85. Voyez message dans 48 72 79 13. Communiquez avec nous tous sur Facebook et Twitter. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Souti inédit, rivi 3 heures, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Alterradio.org. Frottez l'idée, dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook et tout l'autre réseau social. Yo rendez-vous pour nous parler. Parole ba nou. Mais Catalpa Market, nous là, nous pas loin, nous dans pompe capitale là, Delma 75. Grande ouverture la fête dans Catalpa 24, numéro 26, 7 sous 7, 7 heures matin pour 10 heures à souhait. C'est parti bakay nous. Delma marchandises fait quelqu'un, n'a besoin tout ça de besoin à plus bon prix que tout côté. Mais n'a besoin jambon de dinde, fromage graffe, jus en boîte, boisson alcoolisée, lait toute qualité marque, Catalpa Market, yon côté solide qui pote pour tout public là, toute qualité bagaille qui fait cœur content. Catalpa Market, pas gaffe de tonnes, c'est trappe de. Belle équipe, yon kon travail, yon kon service la bien, et gen parking pour toute machine. Nous vendons plus bon marché que tout le monde. Démentim si nous capables. C'est pas jouet, non? Catalpa Market, c'est nous. Nous, c'est Catalpa Market. Rele Titi dans 36 10 34 64. 35 55 20 44. Mes amis, avec situation mauvais temps la pli pays a konnen, ka choléra yo pa suspend augmenter et puis fait gros dégâts lan mitan nou. Chaque jour qui joue choléra a valé terrain en pile côté dans pays a. Moun ak mouri pendant en pile lot couché l'hôpital. Dans une situation comme ça, personne pas épargné. Ti bon moyen pour éviter choléra, c'est respecter tout principe hygiène yo, tant kou laver men nou ak l'eau propre ak savon, boire de l'eau potable, bien cuit tout ça n'a mangé. Si tout bien laver men goyo ak tout lot fruit n'a mangé. Utilisez latrine ou soit toilette moderne. Négligence, c'est plus gros l'ennemi la santé. En protéger la vie nous ak moun kap viv nan entourage nou. C'était un message MSPP ak partenaire Lio ak Sipo Technique Institut Palos. Sanjou soleil. C'est pas jouer nous pas jouer non. C'est gagner nous pas gagner grâce à plan soleil. Digicel là. Composé étoile 6 sur 7, on soit aller sur application My Digicel là.
activé plan soleil pour 5 gouttes seulement. Et puis, jouez chance que 100 000 gouttes j'y sais la paille là. Si vous jouez chance pas, quand même, cher. Restez bien relax parce que c'est 100 clients qui pas jouent. Possibilité de gagner une belle promotion ça. Qui pral dîner 100 jours et chaque jour, avec un client qui pral sortir avec 100 000 gouttes, cap tomber ya directement sous compte mon cash li. Qui donc 100,000 gouttes pour 100 moun pendant 100 jours. Yon ti plan bien facile pour activer et bien chanson en plan mon grâce à Digicel. Digicel n'a toujours pas ou plus. Avis. La Direction Générale des Impôts, DGI, rappelle au public en général et à tous les employeurs généralement quelconques, personnes physiques ou morales, notamment les entreprises individuelles ou sociétaires, les sociétés civiles, commerciales et ou industrielles, les institutions financières, les associations professionnelles, les organismes publics et parapublics, les entreprises publiques autonomes à caractère administratif, commercial, industriel et financier en particulier, les dispositions des articles 93, 94 et 95 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu qui leur font obligation de prélever à la source la retenue sur salaire et de la verser régulièrement à la DGI accompagnée d'un état explicatif avant le 15 du mois en cours pour le mois précédent. Cette direction générale rappelle également aux employeurs qu'il est de leur devoir de délivrer à l'employé, pour les besoins de la déclaration définitive de ce dernier, un document signé dans lequel figurent les montants prélevés et les numéros de reçu de caisse attestant que ces montants sont versés aux institutions pour lesquelles ils ont été opérés. La Direction générale des impôts exhorte tous les employeurs à se conformer aux prescrits des articles du décret cité en référence en vue d'éviter les pénalités et amendes prévues par la loi. Cet avis est signé de Jean-Emmanuel Casséus, directeur général de la DGI. Tout un univers radiophonique en podcast. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Nan chapit ki ti greve nan Hollywood, negosyasyon antre studio yo ak akte yo te kanpe. An koute Marie Farah Fortuné ka pote plis detay pou nou. Akte grevis ak patron studio Hollywood yo kanpe negosyasyon yo merkredi. Dapre sa, dek an yo fe konen negosyasyon ki kompromet espwa yon repris bien vit prodiksyon film ak seri. Apre, an pil mwa greve patron studio ak platform takou Disney ak Netflix yo, tab diskite depi semen pase ak reprezentan syndika SAG-AFTRA ki defan interes 160,000 akte kaskade dan semen lot profesyonel piti ak gro ekran kote mambyo dezete plato tonajan depi jye. Men nan yon deklarasyon mekredi nan fin jounen, studio asosyasyon prodikte sinema ak televizyon AMPTP reprezente anonsye diskisyon ak kampe e pou kounya li sispan. AMPTP akize akte yo kom kwa yo gen revendikasyon ki eksesiv parmi yo yon pat l'ajan ki soti nan difizyon zèv sou platform streaming ki li menm pou kol koute plis pase $800 million chak anè. Pou studio se yon chaj finansyè ki pa kab kenbe yo akize syndika SAG-AFTRA ki voye jete gwo remunerasyon senarisyo aksepte. Pendant la dénoncé taktik intimidasyon, syndika akte yo akize studio yo kom kwa yo difize informasyon ki pa vre sou proposisyon yo avanse pandan negosyasyon, le yo exagire kou yo a 60%. Syndika akte yo fe konen mekredi yo bien negosye ak prodikte men tou platform yo, menm si yo te fe nou semen pase yon proposisyon ki te chokant ki pi ba pase sa yo ofri yo menm avan komansman grev lan. Nan chapit la sante, plize medikaman yo kon utilize kont obezite kapap provoke troub gastro-intestinal serye. An koute Marie Farah Fortuné kapote plis detay pou nou. Utilizasyon non konform kek manje ki apouve pou tretman diabet tip 2 vin popile pou pedi pwa. Men sa kapab la koz gwo efè. Yon eti demontre liye ant medikaman pou pedi pwa ak kris problem gastro-intestinal tankou paralize l'estoma, pankreatit ak oklizyon intestinal.
Plusieurs médicaments vin populaires pour perdre poids tant qu'aux Ozempic qui augmente risque problème gastro-intestinal d'après chercheur yon étude qui publié dans revue JAMA. Effet secondaire et cetera et on doit comparer avec problème santé qui gen rapport à obésité qui capable éviter grâce à qu'un perte poids. Mais experts souligné résultat ça montre nécessité pour prescrire médicaments à patients qui tire bénéfice en façon réelle informé yo concernant risque là et puis fort gain professionnel santé qui suivent yo chercheur te penché sous molécule semaglutide là yo utilisé dans médicament à succès Ozempic ak Wegovy mais tout liraglutide médicament Saxenda tout produit ça yo c'est laboratoire Novo Nordisk qui fait yo nouveau traitement à travers injection qui vient populaire parce qu'il est efficace pour perdre poids passé ancienne génération imiter un hormone gastro-intestinal GLP-1 qui joue un rôle dans régulation manger chercher yo mette la donne dans analyse environ 5400 patients obèses sans diabète et comparé avec ça qu'a prend semaglutide ou bien liraglutide avec ça qu'a prend l'autre traitement contre obésité qui pas GLP-1 d'après résultat yo patients qui traitent avec semaglutide ou bien liraglutide gagnent 9 fois plus risque pour développer un pancréatite qui c'est inflammation pancréas et 4 fois plus risque pour développer une occlusion intestinale pour gastro parésien trouble digestif qui limite passage manger et capable la cause nausées vomissements douleurs risque là c'est 3 fois plus haut 24h, journal Alter Radio. Li soti a 6h di soir, li passe tout a 10h di soir, minuit, 4h à 5h di matin et puis midi. 24h, information nou bezwen sou Alter Radio. 24 gars rive nan bout li n'ap rapple aux principales informations nou t'a présenté pour ou yo. Jan sa fèt chaque l'année mardi 17 octobre 2023, c'est un jour férié occasion 217e l'année depuis assassinat ya sous Jean-Jacques Dessalines, papa nation Haïtia d'après décision gouvernement de facto. Intelligence artificielle ak désinformation voye monter nan information ki opportunité ki menace sous droit information citoyenne ak citoyen yo nan pays d'Haïti, c'est thème yo brasser l'idée vendredi 20 octobre 2023 k'a fait groupe média alternatif 22 l'année depuis l'existé. Pour goumen contre insécurité la manger là, li nécessaire pour nous faire promotion en faveur agriculture qui chita sous famille qui respecte tout ça qui arrive à l'environnement. C'est disons soit AlterPresse-AlterRadio plateforme agroécologie avec développement durable pas d'être occasion 16 octobre là qui c'est journée mondiale la manjaille. Merci toute équipe AlterPresse-AlterRadio en participation dans présentation Marie Farah Fortuné, Pierre Philo Saint-Fleur dans supervision, c'était Ronald Colbert avec Emmanuel Marino Bruno, dans micro avec vous c'était Jean-Élie Paul ou qu'à écouter émission journal ça en podcast sur Zeno FM, Apple, Spotify à Google Podcast. Bye bye tout le monde. 24h. Journal Alter Radio. 24h. Information besoin sous Alter Radio. Bina bina boe, bina boe. Où t'en dis son ça? C'est 106.1 FM, AlterPresse-AlterRadio. C'est Pascal Toussaint.